j'aime Jésus, c'est révélé à mon cœur. Et il veut se révéler à vous ici là, à vous tous. Parce que c'est la fin là. C'est la fin. Homme et homme bougent ensemble. Il a créé Adam et Ève. Adam et Ève. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il jugera les pécheurs. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Et c'est la grâce de Jésus-Christ qui nous place ce soir. Repentez-vous de vos péchés, de vos mensonges, l'ivrognerie, l'alcool, le sexe en mariage, les boîtes de nuit, le chip, le mensonge, la violence conjugale. Et donnez votre vie à Jésus. Vous êtes sauvés. Arrêtez fornication, arrêtez adultère, arrêtez carnaval, pardon. Pardon, j'ai mis à Zot. Jésus-Christ en vine, baby yao. Repends-toi de tes péchés. Accepte Jésus dans ton cœur. Il t'a sauvé. Bon Dieu, mes hommes, Godloup. Arrêtez de marcher, fais ça dehors. Habillez-vous correctement, fais ça dehors, pardon. Repentez-vous. Sortez du péché, mes amis. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Arrêtez de fumer ton blé, pardon. Arrêtez de fumer Zeb. Repentez-vous. Ils ont été sauvés. Il y a deux Amen. Alléluia. Bon Dieu, mes Guadeloupe. Bon Dieu, mes autres. Arrêtez vos là. Arrêtez Wainey, pardon. Repentez-vous, Guadeloupe. Arrêtez Carnaval, là, pardon. Bon Dieu, mes sauveurs. Bon Dieu, vie à Zot. Vive à Jésus-Christ, il est sauvé. En Guadeloupe, Martinique, le mariage n'existe pas en Guadeloupe. C'est la fornication. Vous ne pouvez pas me marier. Vous avez couché, couché, vous ne pouvez pas marier. Et bon Dieu, pas mais ça. Vive à Jésus-Christ. Vive à Jésus, il est sauvé. Arrêtez ta poche là. Arrêtez mentir, voler. Jésus-Christ, passe quoi là-bas. Papa, c'est ça qui ça? Arrêtez-vous, il carnaval. Ces hommes là dans le péché. C'est différent là qui t'attendent vous. Arrêtez l'adultère. Il faut être fidèle. Seul Jésus-Christ. Il faut prier Jésus. Jésus-Christ a merci mal. Jésus, c'est la joie. Le monde a besoin du miracle. Le péché du monde. Non, c'est Jésus-Christ. 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 Arrêtez ta travail là. Arrêtez de marcher toute nuit dehors là. Bon Dieu, pas prier pour faire ça en dehors là. Mettez dans ma propre main. En Guadeloupe, garde le mariage en Guadeloupe. Vous aimez la fornication. Et Jésus jugera la Guadeloupe. Et oui, Jésus jugera la Guadeloupe. Guadeloupe, allez, tu es bon. Les frères en Afrique vendaient leurs frères pour un peu d'argent. Et qu'est-ce qui se passait? On les amène ici. Pour la canne, le sucre à canne, tout ça. On sort de là-bas. Nos races, comme les blancs, on sort tous d'Afrique. Bah oui. On peut être raciste. Jésus, mon ami, il est réel. Et grâce à Jésus, Jésus prend la drogue, fini ça, ça tue tout le monde. Grâce à Jésus, les films porno, c'est fini. Quand les films marchent devant moi, les têtes au ciel. Ah oui, parce qu'il est saint. Jésus, il est saint. Je ne sais pas que j'ai un péché de manger comme ça. Mais l'amour de Jésus est tellement fort que je tape plus les gens. Ma femme, je la frappe plus ma femme. Avant, on était quand même. Bagarre conjugale. Et s'il a beaucoup se bagarre à la maison, devant leurs enfants, bagarre. Et tel père, tel fils, telle maman, telle fille. Voilà pourquoi ta fille, elle est enculée dessus ta maman. L'homme de côté, l'homme de côté, l'homme ne se contente pas de ce qu'il a. Même les femmes ici, devant leur mari, oh chérie, je suis fidèle chérie. Au travail, ça ne parle que de sexe. Ça ne parle que des choses sales. Et la maison, elle paraît pieuse. Chérie, je t'aime, menti ça. Pas vrai ça. Il peut pas. Donc pourquoi tu as besoin de Jésus? Sans Jésus, c'est impossible, impossible. Il faut rencontrer Jésus pour comprendre ce que je prêche. Parce que beaucoup ici disent, mais malade, tu sais qu'est-ce qu'il raconte? Quand la vieille, si la vieille tombe là ce soir, là, quand on va te coller là, si la vieille tombe, on va voir ce que tu vas dire. Quand il y a quoi de la vie? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La vie va s'écouler! Mon Dieu! Mon Dieu!
produit ton petit vie. Le pilote et le créateur qui t'a donné le sens de vie. Si on vit aujourd'hui, c'est grâce au créateur. Hein. C'est pas parce que t'es musclé ou petit ou riche. C'est parce que Jésus t'accorde la vie. La vie là, c'est une grâce de vivre aujourd'hui. C'est une grâce. Beaucoup sont morts hier soir de corona. Beaucoup sont morts hier soir de cancer. Beaucoup sont morts hier soir de diverses maladies. Si toi t'es en vie, pose-toi la question pourquoi. Est-ce que tu es meilleur que l'autre? Non. On a tous sur terre une durée de vie. Ça se peut, toi, c'est 45 ans. T'as 42 là. Il te reste 3 ans encore. T'es pas encore au courant de cela. Mais les hommes vivent leur vie. Oh, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Ta vie n'est pas à toi. Parce que lorsque la mort vient, la mort te prend. La vie là, on ne s'amuse pas avec la vie, mes amis. On ne joue pas avec sa vie. Il faut arrêter Amirati là. Kakabao. Kakabao Amirati. Oh mes amis. Mais là je vais jouer. La duesse, on va cru pas. À 12 ans, elle ne sont plus vierges. À 12 ans, ou pas vierge encore 12 ans. Et des hommes de 30 ans couchent avec des filles de 12 ans. En Guadeloupe, tu le sais. Je le sais, ils ont conseil ici. On va coucher avec des filles de 15 ans, ni 45 ans. Pédophile. Et sous le monde, on s'en fait couler, voilà, on s'en fait couler. On n'appelle pas Dieu de dire quoi, de te repentir. Repends-toi. Et les filles en Guadeloupe, habillez-vous décemment, les hommes aussi. On aurait dit pas de boulogne ici, mon carénage. C'est terrible, hein? Tout côté, c'est carénage. Les filles s'habillent comme boîte de boulogne. C'est grave. Il faut qu'on voit tout ton corps, mon ami. Mais t'es marié, non? Il n'y a plus de pudeur. Oh, ma génération, même en France, c'est pareil, hein. Tout côté, tout côté, tout côté. Les gens sont nus. Il faut qu'on voit ton corps, là. Il faut qu'on voit tout ça. Même les hommes, pareil. Vous voyez, votre voix, là-haut. Vous voyez, une tête de mort qui t'a tapé. La mort, t'as tapé la mort sur toi, la mort. Mais qui veut mourir ici? Bien sûr, tu veux taper la mort ici. C'est une folie. Je suis pas catholique, je sais pas quoi, là, le prêtre pédophile, ça peut être les statues, les images qu'ils ont créées de leurs mains, tout ça, le prêtre. Non! Tous les hommes de mensonge, c'est la relation avec le Seigneur. Quand le mensonge va attraper, je mens pas. Quand les filles me blâment, non, on marié, je suis marié. Marié, marié! Prise pour le mariage, c'est l'alliance que Dieu a donnée. Oh, l'eau bénie, l'eau bénie. C'est l'eau, va tout bas, regarde ça, l'eau va tout bas. L'eau bénie, qu'est-ce que l'eau bénie ça? Oh, il faisait confesser des péchés, c'est le prêtre. Oh, le prêtre dans le confessionnal. Oh, le prêtre, tu sais. Et le prêtre lui-même, pédophile. Et tu confesses un pédophile. Alors, tout le monde confesse ses péchés dans son cœur au Seigneur Jésus. C'est ça. Ton enfant, il est baptisé. Va pas le baptiser à ton enfant, il est né. Va pas le baptiser à 2 mois. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il est innocent. Oh, je suis baptisé, confirmé. Tu sais pas, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Tu sais pas. Jésus s'est baptisé, il avait 30 ans. Donc, quand tu as 30 ans, tu es conscient. Moi, c'est à 25 ans, je me suis baptisé. À 25 ans, j'étais conscient de ce que je faisais. Conscient. Mes amis. Alors vous comprenez que la vie, c'est madame. La vie, c'est le sexe. La vie, c'est faire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Mais plus tu sèmes, tu vas le moissonner après, mon ami. Sans s'humer, tu ne connais plus. Hein. Sans s'humer, c'est ça que? C'est ça que? Sans s'humer, c'est ça que? Récolter. Tu sèmes le mal, le bon Dieu, il va te juger. Mais pour ne pas te juger, Jésus a pris tous nos péchés sur la croix. Il a dit quoi? Père, pas de l'air. Ils ne savent pas ce qu'ils. Ils ne savent pas ce qu'ils. Ah, vous ne connaissez pas la réponse. Ils ne savent pas ce qu'ils. Ah, vous connaissez pas la. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Marie, après Jésus, elle a encore des enfants avec Joseph. Bah oui. Et c'est quand même éclairé, là, tous les dimanches. Bien habillés, sans leur Bible, sans Bible, et ils ne prennent pas qu'à parler, et ils ne pas vérifier d'après la radio. Tout ça, pour la radio, ils ne pas voyer. Voilà le problème, voilà pourquoi beaucoup sont dans l'erreur ici-là. Ils ne connaissent pas la parole du Seigneur. Tous les versets, c'est la mort,
Oh bon Dieu, dis-nous faire amour. Oh bon Dieu, dis-nous faire bita Papa Noël. Chantez Papa Noël, bravo, vous êtes malade, mon ami. Bon Dieu, pas jamais de nous ça. Il pas jamais de nous la Pâque. La Pâque a peine de Dieu. Je veux la Pâque a peine de Dieu, je veux la Pâque a peine de Dieu. Oh, c'est la fin de Pâque. Voilà pourquoi moi j'ai fait des recherches. Et je me suis rendu compte que le catholicisme, vraiment là, vous nous avez fait une erreur. La religion a parti des pécheurs. Parce qu'il y a un peuple nombreux en pays là. Et bon Dieu voulait vraiment que le peuple s'en retrouve la connaissance éveille. Et nous savons, bon Dieu, vient pour porter éclairage. Et nous, on parole, bon Dieu, dis-nous, dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 1er, il a parlé de destruction du temple. Il a dit alors qu'il sort du temple, un de ses disciples lui dit, « Docteur, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Oh, ni tellement construction à l'heure actuelle. Mais nous avons montré là que mon Dieu, en général, Jésus sortit dans le temple. Parce que dans le temple, là, pour nos mamans, était pour nous la prière pour tenir la guérison. Quand on a trouvé là la mort, quand on a trouvé là le divorce, quand on a trouvé là la sexualité, toutes ces choses dans ça, il y a fait des mains d'hommes. Pour montrer que mon Dieu sortit dans toutes ces dénominations, qui sortit dans l'église catholique, qui sortit dans l'église évangélique, qui sortit dans l'église adventiste, qui sortit dans toutes ces églises. Vous pouvez regarder même dans le livre Apocalypse, ça, parce que la parole qui a la connaissance. Dans le livre d'Apocalypse, vous voyez comment des églises, même tu as pensé, tu as en volonté, bon Dieu, comment ces églises sont mortes parce que ils ont changé doctrine, ils ont mangé et viennent sacrifier aux idoles, c'est des vieux enseignements. Tandis que Jésus a dit comme ça, il faut que les vrais adorateurs adorent en esprit en vérité. Mais tout le monde veut aller aujourd'hui adorer et sur la montagne. Ils veulent adorer à Gilgal, ils veulent adorer à Bethel, ils veulent adorer à l'église évangélique, ils veulent adorer. Mais bon Dieu, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que beaucoup quand invoquent Dieu, quand ils n'ont pas un Dieu inconnu, le pays là quand invoqué un Dieu inconnu. Mais bon Dieu, vient pour maintenant pour avoir une révélation. Après, il dit qu'il n'y a pas dans le bâtiment. Il n'y a pas habiter des bâtiments faits des mains d'hommes. Parce que tout ça, l'homme fait avec mains, il n'y a viré pas détruit. À ta Bible là, pas de bon verset biblique qui a parlé de Marie. Comme quoi qu'il faut nous prier Marie. Pas de bon verset biblique qui a dit Moun faire amour. Pour baptême à 2 mois. Hein? Bébé a été détruit 2 mois. Ou foué à baptême. Hein? À dans 7 ans. Et aujourd'hui, je suis grandi. Si Moun a 25 ans, il y a dans la rue là. Vous en voyez? Ça bon Dieu veut c'est amao. Ça bon Dieu veut c'est viao. L'église n'est pas ce qu'on voit. Les bâtiments, les gratte-ciels, les synagogues, ce n'est pas ça. L'église, ce sont les hommes et les femmes qui croient au Seigneur. C'est-à-dire l'église du Seigneur n'est pas visible. Tu peux être en Allemagne, mais tu crois à la parole et tu vis la parole. Guadeloupe, tu crois à la parole, tu vis à la parole. Et tu es dans ta maison. Haïti, tu crois à la parole, tu vis par la parole. C'est ça l'église. Là où tu es, voilà. Et Dieu cherche ce matin. Il dit l'église de Guadeloupe, où es-tu? Où es-tu? L'église ne peut pas être cachée. Parce qu'on ne peut pas allumer une lampe et le mettre en dessous du chandelier. Mais on le met sous la montagne pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et le peuple est dans les ténèbres. Même vous voyez que nous sommes en plein midi. Le peuple est dans les ténèbres. Parce que le péché est là. Le Seigneur est mort sur la croix pour sauver l'humanité. L'heure est venue où l'évangile est annoncé. L'heure est venue où la parole de Jésus est prêchée aux pécheurs. Le problème de l'homme, c'est le péché. Il est séparé du Seigneur, séparé de Yeshua. La Bible dit que le Seigneur est mort pour nos péchés. Il est temps que tu crois à sa parole. Il est temps que tu crois à ton Créateur qui est mort pour toi il y a 2000 ans pour te racheter, pour te délivrer de ta mauvaise vie de péché. Le Seigneur appelle à la population, au foyer, de retourner à l'évangile pur parce qu'il va frapper la terre, il va frapper ce monde. C'est pourquoi il envoie, il nous dit de crier à plein gosier et annonce à mon peuple, ce peuple qu'il aime, sa justice. Le Seigneur vient avec sa justice pour demander au peuple de réformer vos voies. Réformer vos voies. Retournez à l'évangile. Retournez au Seigneur. Retournez au Seigneur. Parce qu'il y a un jugement
qui est proche. Il y a un jugement qui vient. Sera terrible. Il y a déjà un jugement sur la terre. Le corona, c'est un jugement. L'heure est venue où la parole, où le message de Jésus est proclamé, où sa parole est annoncée à cette génération impie. Le monde est impie. Le monde est séparé du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous sommes à la fin des temps et le Seigneur vous appelle à vous repentir de vos péchés, de galettes d'affaires. Arrêtez galettes d'affaires. Sortez du péché, Guadeloupe. Sortez du péché. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur Jésus vous appelle à sortir du péché. Parce que le Seigneur est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous libérer du mal. Quel est ta Guadeloupe? Tu es si tu es. Goumé si goumé. Et le Seigneur Jésus est venu pour notre salut. Afin que tu aies la vie éternelle. Repentez-vous de vos péchés. Bien à mon Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps où il n'y a plus l'amour. On est dans un temps où il n'y a plus la paix. Le monde connaîtra le jugement du Seigneur. Le monde connaîtra le jugement de Jésus. Parce que les hommes ont préféré le péché, l'immoralité. Et bon Dieu a crié, j'entends là. Repentis-vous. S'il te dit d'aimer ton ami, tu dois l'aimer. Combien de personnes dans ces villes, dans leur famille, qui ne pardonnent pas à leur mari, qui ne pardonnent pas à leurs enfants, qui n'ont pas un culte de famille à leur famille. Le Seigneur est venu amener la connaissance. Le Seigneur veut que les familles se retrouvent ensemble. À cause de cela, beaucoup de ceux des femmes qui vont dans les séminaires et leurs maris ne sont pas convertis, ainsi de suite, leur femme n'est pas convertie, eh bien, ils se trouvent avec leur pasteur, leur faux pasteur, faux berger. Parce que c'est un vrai berger, il t'aurait dit de t'occuper de ta famille. Donc la femme est en séminaire, et l'homme a des besoins, eh bien, il va ailleurs. Voilà comme ça, ils détruisent les familles. C'est pourquoi le Seigneur vous dit de retourner dans vos maisons. Quand si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, alléluia. Oui, merci Seigneur, j'ai mérité ça. Mais le Seigneur n'a pas mérité. Si quelqu'un n'a pas soin de sa maison, ou tes pieds c'est dur, ou peut pas dissiper. Déjà, prends soin de la maison. Wow. Prends soin de ta maison. Jésus vient pour mettre de l'ordre dans les villes, dans les foyers. Maison non programmée pour être là, ce n'est pas maison. Wow. Il faut retourner en maison. Wow. Le Seigneur vient vous avertir en ce matin. Le Seigneur vient vous prévenir en ce matin. Prête l'oreille, sois attentif à ce message. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, c'est le temps pour que tu puisses entendre. C'est le temps pour que tu puisses entendre que Jésus-Christ de Nazareth vient te parler, vient t'avertir, qui te donne l'opportunité de te repentir, de demander pardon pour tes péchés. Il te donne l'opportunité en ce matin, en ce début d'après-midi, de demander pardon pour tout ce que tu as déjà fait comme mal, de te repentir totalement, afin qu'il puisse te pardonner et que tu puisses avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que le péché? Tu ne sais pas? Eh bien, je vais te le dire. Le péché, c'est forniquer. Le péché, c'est se masturber. Le péché, c'est voler, mentir, faire commettre l'adultère. Toutes ces choses, ce sont les péchés. Et pour toutes ces choses, le péché aussi, c'est aller voir les galettes affaires. Pour toutes ces choses, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Il faut te repentir.
arrête de forniquer avec les hommes. Tu n'es pas encore marié. Attends le mariage. Attends le mariage. C'est le temps. C'est le temps de te repentir. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie sincèrement et totalement. Je n'ai pas de problème. Tout le monde a dit qu'on est bon Dieu. Mais bon Dieu dit où? Là, il y a beaucoup qui dit. Maître, Jésus, Jésus, tu n'as pas tout ce qui crie Seigneur, Seigneur, qui entrera dans son royaume. Mais monde qui a fait la volonté à bon Dieu. Parce que bon Dieu saint. Bon Dieu créé un homme et une femme. Mais à présent, un homme changé déjà nous l'a dit à bon Dieu, de la femme. Et il y a commettre homme et homme, femme et femme. Adultère, marié, divorcé, remarié. Et quand on prend l'amour comme ça, on peut voir face à bon Dieu. Un bon Dieu qui saint. Tellement de déclarations, monde qui a fait Timouna présent, chers amis, pour la CAF, pour l'argent. C'est pourquoi on a Timouna chimé. Non, peut-être, côté de la route à yo. Côté de la route à yo, qui la parole de Dieu. Non, mettez la parole de Dieu de côté. Non, vous mettez la parole de Dieu de côté, mais on ne peut pas la vie. C'est pourquoi mon Dieu vient, et il a vint pour maintenant. Et ça fait 2000 ans qu'il vient. Il vient comme étant le chemin, la vérité, la vie. Bon matin là, bon Dieu vient lâcher la vie en pays là, la vie en quartier là. C'est-à-dire là où il est, où tant de paroles à bon Dieu, où tant de la vie qui a passé, où que saisir de la vie, pour bénir la vie. En Guadeloupe, pour ne pas marier, très peu de mariages. À qui fornication? À qui fornication? Mille états Guadeloupe, mille états autres. Et Jésus-Christ t'a crié où? Jésus-Christ t'appelle à te repentir du mal. Accepte la parole de Dieu. Accepte l'évangile de Jésus. Il est temps que tu t'habilles correctement. Toutes tes fesses sont dehors. Toutes fesses sont dehors. Jésus-Christ t'a crié où? Pour montrer fesses sont dehors comme ça. Arrêtez sodomie. Arrêtez coûter à Miralti. Arrêtez Zouké. Arrêtez Bouillon. Arrêtez d'un sol. Ça n'a pas rien de bon. Quel état azote? Quel état Guadeloupe? Jésus-Christ qui a crié. Repentis corps du péché. Arrêtez de prier Vierge Marie. Arrêtez de prier statue. Bon Dieu pas créé le catholicisme. Bon Dieu pas créé pour vivre dans la cigarette. Il pas créé pour fumer drogue. Il pas créé pour masturber. Il pas créé pour vivre de l'adultère. Repentez-vous, Guadeloupe. Sortez du péché. Vous n'avez pas avec le bon Dieu qu'à juger. Arrête avec le bouillon. C'est sexe qui est ça. Arrêtez. Arrêtez avec autres. Arrêtez de prendre aussi homme. Arrêtez de prendre aussi femme. Arrêtez les péchés. Bon Dieu qu'à voir. La nuit, la fois qu'on prend des diplômes qu'à voir. Bon Dieu qu'à voir. Et qu'à voir. Repentez. Parce qu'il est jugé. Il est jugé la Guadeloupe. Il est jugé la nation tout pour repentir. Repentir. Et autant tu as du jour là, autant. Ou père, tu pas t'étonne. Il est du jour là, la fois t'as tout autant. 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 Repentir. Je t'ai aimé. Il tend sa main pour toi. Il te tend la main. Oh, l'eau, qu'il y a un enfer. Alors qu'à des ans, on a dit fait là, l'envoyant mort. Hein? Et en Guadeloupe, c'est RIP. RIP, Awao, retour impossible au pays. Retour impossible au pays. En fait, nous, je dis là que si vous mentez dans le péché, dans la fellation, dans la drogue, la sodomie, le viol, coucher en mariage, dit fait là qu'attendre vous. Dit fait à l'enfer là qu'attendre vous. C'est pour ça qu'a prêché au bon Dieu, qu'a crié. Bon Dieu, merci quoi là dans nous. Jésus-Christ a donné son sang pour sauver la jeunesse guadeloupéenne, plongée dans la drogue, le crack, la masturbation, l'adultère, quel état à le monde. Hein? Ils n'ont pas avancé à la fin des temps. Quel corona là qui a fait nous trembler, qui pauvre, qui riche, nous avons tremblé devant le corona. C'est pour ça qu'on veut dire que Jésus-Christ, il vient pour un seul butin, délivrer les pécheurs. Délivrer les pécheurs. Délivrez les voleurs. Vine à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui arrive bientôt. Et il meurt pour nous si quoi là. Il meurt pour nous si quoi là.
pour sauver Amao. Parce que ce soir-là, la mort attend vous. La mort attend vous ce soir-là. La mort attend vous ce soir-là. Oh, l'enquête aïe. L'enquête mort a pas bête. Après la mort, c'est l'enfer ou le ciel. Et bon Dieu veut sauver Amao. Jésus-Christ veut sauver Amao. Il t'appelle à quitter l'adultère. Jésus-Christ t'appelle à changer de vie. Sors de la sodomie. Sors du viol. Sors du mensonge. Fais la paix avec le Créateur. Bon Dieu qui a créé Guadeloupe. Il a créé Guadeloupe de sortir carnaval. Sortir face à toute une idée là. Sortez du péché. Sortez du mensonge. Nous sommes à la fin des temps. Jésus vous appelle à faire la paix avec lui. Jésus t'appelle à arrêter l'avortement. Arrêtez avorter Timon. Arrêtez Jirémoun. Arrêtez Babdousse. Arrêtez menti. Arrêtez violé. Arrêtez goumé. Arrêtez tué. Bon Dieu, moi c'est quoi là-bas nous? Jésus-Christ, moi c'est quoi là-bas nous? En Guadeloupe, toutes ces femmes-là font ça dehors. Toutes font ça dehors. Hein? Pas de pas pudeur. Pas de pas pudeur. Hein? Toutes les actions que tu as faites jusqu'à ce jour, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre, je t'avertis. Le corona vous fait trembler. Vous n'avez pas encore tremblé devant la colère de l'Éternel des armées. Vous n'avez pas encore tremblé devant la colère de l'Éternel des armées. Jeune fille, habille-toi décemment. Jeune fille, habille-toi décemment. Jeune homme, habille-toi décemment. La drogue est en train de vous tuer. Ne saisissez-vous, vous saisissez pas? La drogue est en train de vous détruire. Et le Seigneur permet qu'on parle ce matin pour t'arracher, pour te donner une opportunité ce matin de te repentir. La vie que tu mènes, j'ai envie de te dire, ce que tu fais dans le secret, il y a un Dieu qui le voit. Et tu auras des comptes à rendre. Tout ce que tu fais dans le secret, sache que tu auras des comptes à rendre pour cela. Alors j'ai envie de te dire, repens-toi. Repens-toi. C'est le temps de s'examiner. De se poser les bonnes questions. C'est le temps de se poser les bonnes questions. Où j'en suis-je? Ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est le temps de te poser les bonnes questions. Mes amis, en tête de 18 bon matin, Satan, son musicien excellent. Satan qui agit par la musique. Les zouk, qu'est-ce que ça? L'oreille de son zouk, collé pour les serrer, serrer. Ou pas sentir nos besoins après. Abé musique qui a excité à la sexualité. Mystère du péché. Lorsque vous êtes admiratif, c'est ne pas comprendre là. Ou pas danser, mais c'est des évocations qu'on va faire. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont dans les rues. Des évocations. Et là, on évoque l'esprit Kevin. Si vous avez bon Dieu Kevin. Mais si vous évoquez Satan, et Kevin aussi. Beaucoup qui évoquent Satan par la musique. La musique diabolique. Des belles mélodies. Mélodies qui viennent directement dans l'enfer. C'est l'heure de se repentir, habitants de la Guadeloupe, habitants de Pointe-à-Pitre. C'est l'heure de se repentir. Arrêtez avec Antoine. Arrêtez avec Kalash. Arrêtez avec Nesli. Arrêtez avec tous ces chanteurs là. Il n'y a pas qu'à mener au bon côté. Est-ce que vous voyez pas changer le bon côté? Est-ce que vous voyez pas changer le bon côté? Est-ce que vous voyez pas changer? Laurent danser c'est trop coca. Est-ce que vie a changé? Hein? Est-ce que vie a changé? Il n'a pas changé. Repentir. Repentir. Arrêtez d'exposer quoi sur les réseaux. Si Instagram, si Facebook, si statut à autres. Arrêtez puis ça. Peuple guadeloupéen, que vous soyez âgé ou jeune, c'est le temps de faire le choix d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. D'accepter Jésus-Christ sincèrement dans sa vie. Arrêtez la drogue. Arrêtez les bagarres, les violences, les braquages, les vols. Si tu continues dans ces voies-là, tu auras des comptes à rendre. Tu vas souffrir terriblement en enfer parce que l'enfer existe. L'enfer existe. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de crier à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse te changer de vie. La vie que tu mènes ne le glorifie pas. Tu auras des comptes à rendre pour tout ce que tu fais. Tu penses que personne ne te voit, mais il y a un Dieu qui te voit. Jésus-Christ de Nazareth te voit. Il est vivant.
il est vivant et il va juger. Il va juger. Arrêtez de dire jeune. À quel point ça après? Ou pas ça qui dans l'amour qui vient? L'amour pas réservé rien qui pouvait. Mais pour aussi. Mais faut préparer un croyantiel là. Si vous préparez, vous pouvez reposer en paix. Ou créer en enfer et vous pouvez brûler éternellement. Pas pour y avoir un an, deux ans. Éternellement, vous pouvez brûler. On peut pour servir. Il y a un peu nos peuples à la gloire. Il vient chercher les jeunes. Il dit jeunes filles, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Mais sachez un jour que Dieu vous appelle un jugement. Parce que la fin de toutes choses est proche. C'est le moment de vaquer à la prière. Et comment prier? C'est bon Dieu pour prier. C'est Jésus pour prier. On ne peut pas prier Marie. Marie même Dieu vous a prié. Marie même vous a prié. On ne peut pas prier Marie. Mes amis, on ne peut pas prier Marie. Lorsqu'on peut prier Marie, son mort, on va prier. Parce que bon Dieu n'a pas mis des relations entre les morts et les vivants. Mais bon Dieu, entre les vivants et la vie. C'est-à-dire, bon Dieu mort, Jésus mort, mais il répond via, il ressuscité. C'est l'issel pour prier. C'est l'issel pour prier. À cause de toutes vos prières abominations, ou pas prier Marie, les statues, toutes ces choses, ou pas tirer la malédiction en pays là, la malédiction dans le pays. Parce que bon Dieu, à ce moment-là, ou pas invoquer un mort. Et bon Dieu dit, quiconque évoquera, Jésus dit, quiconque l'évoquera sera sauvé. Mais si vous évoquez un mort, aucun mort, aucun perdu. Pourquoi le malheur vous frappe? C'est parce que c'est vous qui ouvrez les portes à Satan pour qu'il puisse venir souper à votre table. Repentez-vous, repentez-vous, c'est le temps. Peut-être demain tu n'auras pas le souffle de vie. Repens-toi aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Repens-toi aujourd'hui, c'est le temps. Saisis la main du Seigneur, saisis la main du Seigneur en ce jour. Saisis la main du Seigneur ce matin. Il est temps d'arrêter de mentir aussi. On aime trop mentir, on caresse le mensonge. Il faut arrêter ces choses-là. Arrêtez de commettre l'adultère également. Jésus revient, c'est la fin. Donnez votre vie à Jésus-Christ totalement. Faut se marier. Alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ. Demain, tu ne sais pas de quoi la vie est faite. Demain, tu peux mourir. Ce n'est pas dans une religion que tu vas le rencontrer, Jésus-Christ. C'est dans une intimité. Il n'est pas dans une religion. Les religions ont été faites par les hommes. Mais lui, ce qu'il te demande, c'est un cœur à cœur. Parle-lui dans ta chambre, dans ce lieu secret. Révèle-toi à lui, parle-lui. Et tu verras, il te répondra. Arrêtez d'aller voir les cadettes affaires. Arrêtez de voir les marabouts. Après, vous vous demandez pourquoi des malheurs vous arrivent. Vous attirez la malédiction sur vous. Repentez-vous. Repentez-vous, peuple guadeloupéen. On est en train de reculer. On n'avance pas. C'est le temps d'arrêter la violence, d'arrêter toutes ces choses qui ne le glorifient pas. Parce qu'un pays-là rempli de meurtres, d'adultères, de fornications. Hein? Beaucoup, vous mettez le mariage. Mais à présent, non, vine épouser, mais aïe. Femme vine épouser et sexe aïe. C'est sexe aïe qui marie aïe. Sexe aïe, c'est la douce, c'est douce lettre, c'est la douce lettre. Pas douce, douce lettre. Nom vine douce lettre. Oh, bon, c'est quand j'ai des noms, mais quand je veux des douce lettre. Mes amis. Et au cerveau là, ça sortit. Ça sortit depuis le jardin d'Éden. Les péchés entrés. C'est pourquoi bon Dieu vient avoir un message clair. Il vient avoir un message clair. Et le message là, c'est repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Peut-être qu'on dit, ça va faire 2000 ans qu'attendre ça. Le royaume des cieux est proche. Mais quand dit mon ami, la mort qui a rôdé autour d'elle. Et si vous mort comme ça, sans bon Dieu, sans faire la paix, bon Dieu, c'est l'enfer qui attend vous. C'est les démons qui a récupéré la mort. La mort par la fin de toutes choses. C'est pourquoi bon Dieu a usé les patience. Puis il dit à un homme, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, bon matin là, si vous tendez parole à bon Dieu, et on prend décision de repentir. Repentir veut dire confesser péché. Voilà. Confesser péché. A pas tout dit confesser. Délaisser péché. Et là, laisser bon Dieu entrer en cœur. C'est ça qui est la repentance. Et là, bon Dieu, quand on écrit en nouvelle histoire. Bon matin, on peut une nouvelle histoire. Bon Dieu vient en nouvelle histoire. Là, un homme est condamné. Bon Dieu vient en nouvelle histoire. Il vient rétablir.
Il vient rétablir que tu rétablis Adam en jardin là. Il vient pour pénion communion éveil. Peut-être que j'ai un programme ce là. J'ai un petit femme avec qui femme coucher. Qui nous va coucher, qui foyer au rentrer. Mais bon Dieu, il a un message pour matin, il a dit stop. Il stop. Message là si vous recevez quoi, recevez la vie. Si vous rejetez, vous pouvez demeurer dans la mort. C'est pourquoi bon Dieu veut entrer dans le repos. Mon ami, nous avons un repos spirituel. Les enfants, nous avons un repos spirituel. Nous avons un repos spirituel. Le royaume cimetière, il ne suffit pas de passer à côté là. Vous pouvez marquer ici repose. Ici repose. Mais si vous mort sans connaître bon Dieu, quand un homme là ça a été sur la croix, il dit bon Dieu, songez-moi. Il n'y a aucun renard. Si vous mort sans dire un jour, bon Dieu, changez-moi. C'est un enfer ou que carré ou périté qui a brûlé pour l'éternité. Jésus ne fait pas ça pour. Jésus ne fait pas ça pour. À cause de l'amour de l'argent. On le monde qui a refusé mon Dieu. Parce que nous, on bon Dieu cité aussi. C'est maman. C'est l'amour de l'argent. Ah, pas l'argent même. C'est l'amour de l'argent. Moun qui aime l'argent, l'amour de l'argent. Qui bon Dieu. Mes amis. Bon Dieu vient battre connaissance et vient condamner le péché. Il vient condamner le mal. Bon Dieu, mais où? Jésus t'aime. Bon Dieu pas vient battre anti copain, anti copine. À présent, c'est ça qu'il va apprendre vous l'école. Gardez au lycée. On le jeune monde qui caille. Apprendre ABCD. On leur apprend les alphabétiques. Il va apprendre baisser sous vêtements. À part ça, bon Dieu, vous voyez faire. À part ça, maman, vous voyez faire. Et vous voyez l'église. C'est le péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est pourquoi il faut une nouvelle naissance. Bon Dieu qui a appelé tout homme à une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui veut dire une nouvelle vie. En tout cas, vous mettez la police avant. En tout cas, j'irai madame maman avant. En tout cas, masturbez moi avant. En tout cas, j'irai fumer drogue, fumer zèbre. Maintenant, vous voyez Jésus toucher moi. Jésus-Christ, libérez-moi. Et il peut faire ma vie à vous. Le Seigneur vous aime. Jésus aime la Guadeloupe. Mais la Guadeloupe n'aime pas Jésus. Ils ont aimé girer. Ils ont aimé coucher. Ils ont aimé marcher dehors là tout nu. Fesse dehors. Tête dehors. Mille états Guadeloupe. Et diable qui a détruit les hommes. C'est pour ça que nous avons prêché la parole. Nous avons prêché l'évangile. L'évangile à bon Dieu. Bonne nouvelle à bon Dieu. Que Jésus-Christ. Merci quoi là pour sauver, sauver de masturbation, sauver de porno, sauver de gourmet. Il veut sauver Amao de l'enfer. Repentir. Bon Dieu pas créé pour vivre religieux. Il créé pour adorer. Avec adorer bon Dieu. Adorer Jésus. Nous adorons la fin des temps. Nous à la fin des temps. Et Jésus vous appelle. À faire la paix avec lui. Faites la paix avec Jésus Guadeloupe. Parce qu'il aimait Guadeloupe. Bon Dieu veut ma vie en sens. En mariage, en travail, en vie. Bah il vit à Guadeloupe. Vive à Jésus. Il que la paix du cœur. Qu'il n'y a pas en paix. Dès qu'ils ont malheuré. Dès qu'ils ont pleuré. Dès qu'ils ont tout seul. Et Jésus, il veut dans l'amour aïe. Il veut dans la paix aïe. Il veut dans le salut aïe. La vie éternelle. Repentir Guadeloupe. Parce que bon Dieu aime. Bon Dieu aime. L'heure est arrivée. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Plus de temps. Jésus revient. Oui. Jésus connaît nos cœurs. C'est vrai. Beaucoup disent longtemps que ce message est prêché. Mais dans cette fin de l'attente, Jésus envoie son peuple dans les carrefours. Comme au temps des apôtres, pour inviter aux noces, parce qu'il a été préparé une salle de noces pour ceux et ceux qui croient en lui, ceux qui refusent le péché, refusent la fornication, refusent de se souiller avec des hommes mariés, femmes mariées. Voyez, lorsque vous allez souvent dire ce qu'on appelle temple, c'est là où tu trouves le divorce, le remariage, les faux pasteurs, les faux labés qui touchent avec les enfants, qui touchent avec les fidèles. Il n'y a plus le temps pour jouer.
Il n'y a plus le temps pour la distraction. Tu as été trop distrait. Tu as été trop distrait. C'est le temps de te saisir là. C'est le temps de te mettre debout et de réfléchir, d'examiner ta vie. De voir est-ce que tout ce que tu as fait en ce jour, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tous les actes que tu as posés jusqu'à ce jour, est-ce que ça glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Que tu sois jeune ou vieux, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler ce matin. Il veut te dire d'arrêter toutes ces choses qui ne le glorifient pas. Il veut te dire d'arrêter, il te donne l'opportunité d'entendre. Demain, peut-être, il sera déjà trop tard. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de saisir ce message et de se repentir. Ce n'est pas question de groupe. Là, c'est toi et toi. Parce que si demain la mort vient, tu seras tout seul. Tu auras des comptes à rendre tout seul. Commence à te repentir. Commence à te poser des questions. La vie que j'ai menée jusqu'à ce jour, est-ce que ça glorifiait Jésus-Christ? La vie que j'ai menée jusqu'à ce jour, est-ce que ça glorifiait Jésus-Christ? Que fais-tu? Que fais-tu? Il est temps, il est temps, il est temps de te repentir. Repentez-vous et convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre message que le Seigneur nous a communiqué. La repentance et la conversion. Donc ne soyons pas étonnés si vous entendez des paroles qui sont dures ce matin. Mais ces paroles viennent pour libérer. Libérer la population. Libérer des familles entières. Ces paroles viennent pour libérer nos jeunes. Dans les lycées. Tout ce qui se fait dans les lycées. Ces paroles viennent pour nous libérer ce matin. Repentez-vous, chers amis. Repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Car la colère de Dieu est là. Merci Seigneur. Car la colère d'Elohim est là. Repentez-vous, population. C'est pourquoi on l'a monde qui a passé à côté. Jésus dit ça. Un prophète n'est plus honoré que dans sa patrie. Pourquoi? Parce que si frère a dit ou ça, on va faire la pas bon. Ou que dit son mépris, il va vous bas. Mais si mon Dieu voyons notre monde d'ailleurs venu, que dit ça, c'est mon Dieu, il parle de moi. Ou que voyons l'homme monde qui a passé à côté. À cause, je ne vais pas refuser la vérité. Mais mon Dieu vient porter la vérité. En pays là, bon matin là. Il dit que connaître la vérité. Et la vérité qui rend libre. Et qui vous libre du péché. Parce que bon Dieu, quand il a gardé qu'avant, parce qu'on peut déguiser. On peut qui nous fardeau terrible si. On peut déguiser. Quand il va avoir un Noël. C'est un temps de déguisement. Carnaval, c'est un temps de déguisement. Non, le monde déguisé, pays là déguisé, belle décourage, décoration, belle lumière. Mais bon Dieu, voulait qu'elle lumière lui habite en chaos. En chaos l'homme, en chaos bon matin là. Et la parole du Seigneur dit quoi? Dans Jean 3, 16. Que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle et le pardon de ses péchés. La Bible dit que Jésus est venu comme un agneau pour ôter nos péchés. Dès qu'ils ont qu'à vivre, que vie 40 ans pas maillé, 50 ans plein madame. Ou pas avec que l'argent a monté, ou pas avec que l'argent a monté, que l'homme pas loin, que la tombe pas loin, que tout en cavine, que Maradona, il était riche mais il est mort. Qui est riche, qui est pauvre ou qui est mort. C'est pour ça qu'il faut pas bon Dieu que yao. Faut battre Jésus-Christ à ma vie à ou. Parce qu'il veut transformer vie à ou. Hein? Bon madame, bon mariage, bon travail, bon timoun, bon permis de travail, bon permis de voiture. Hein? A pas qui moto pour mener, a pas qui scooter pour mener. Bah Jésus-Christ à ma ou. Bah vie à ou. Et puissance aille. Que descend sur vous, Guadeloupe. Hein? C'est dans le mariage que vous devez mettre le sexe. À présent, moun ka vend sexe. Oh bon Dieu de Nazareth. Bon Dieu fait grâce. À présent, moun ka vend sexe. C'est pourquoi bon Dieu, là, il était capable. Il était capable dans les rues de les carrefours pour amener connaissance à la vérité. Parce que dit, moun qui croit en vérité, il est sauvé. Mais moun qui pas croit, il est condamné. Donc, parole là, on peut attendre que la parole pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner.
Mais sous point décision, des sorties en cigarette là, des sorties en péché là, des sorties en adultère là où il est là où il est là, en case là où il est là, qui pas là, ça au café avec quoi là, qui doit être en temps pas bon Dieu. Eh bien, sous point décision de sortie et bouba bon Dieu via, eh bien, bon Dieu qui inscrit dans le royaume des cieux. Parce que Dieu, le royaume ne vient pas pour, d'une manière pour frapper le regard, mais le royaume est tout près de toi. Il suffit que vous acceptez bon Dieu un cœur, décidez de repentir. Eh bien, le royaume là qui rentre dedans. Alléluia. Et même si Dieu dit maladie, mortelle, toutes ces choses, mais Jésus t'a vu comme étant la vie. Et il a la vie à croire. Alléluia. Il a l'autorité pour marcher sur les scorpions, sur les, toute la puissance de l'ennemi. C'est ça bon Dieu vient faire. Il vient porter grâce pour l'homme. Mais c'est dommage que l'homme qui a refusé grâce à ça. Bon Dieu qui a appelé tout homme à la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Et que vous chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés.